Hey! Eh bien, le bonjour tout le monde, comment va? On a encore changé de place, oui, on a encore changé de micro, on est en plein test. Non, non c'est vrai non, que on là. On est en découverte complète et pas que des jeux vidéo. C'est ça, sur ce premier let's play, on expérimente un petit peu voilà. Les réglages audio. Et là, franchement, c'est pas là, mal. Là, je pense que là, les vous gens, direz, vous allez profiter de notre voix suave et sensuelle. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, on fait. Est plutôt content du résultat après avoir galéré. Donc, on se retrouve aujourd'hui encore sur voilà. God of War. Donc, épisode 10 l'aventure. Épisode 10, il me semble. 11. 11. Épisode ah bah, 11. C'est comme quoi. Donc, 11e VOD sur cette aventure. Où voilà. En sommes-nous, Jean-Mi? Alors, est on en était où on est à Alfheim. C'est le nom du premier monde. Voilà, où nous et on doit aller vers la lumière rouge, hein, un peu comme dans les mondes de Ralph. Ah, la lumière. Voilà. Donc, c'est ça. C'est là, Alika qui lumière. Reprend la manette. On va bien se marrer. Là, je vais commenter comme un petit fou. On va aussi. Je suis ready. On va essayer, hein, de pas coutume, même si c'est de la VOD, on va essayer, quand il y a de la cinématique, de vous faire un petit. Hop, on enlève notre petite vidéo. Ou tout et du moins, c'est... on ne parle pas. On bah... nous voit, mais on se tait. Au maximum. C'est une promesse qui est enregistrée, Jean-Mi. Donc... Mais moi, j'assume rien du tout. Voilà. Allez. Du coup, on va se remettre en... C'est moi qui reprends les manettes. Oui, donc on oui. Se remet en... Hop là. En voilà. Passe, on est parti. Nous sommes donc en pause. On reprend. Hop, et on reprend où on en était, c'est-à-dire dans le clipping dans un... du mur. C'est magnifique. Kratos est dans un endroit tout noir. Il va faire tout noir. Petite référence, je voulais chercher pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va être tout noir. Je sais plus comment on joue à ce jeu, ça va être bien. Mais non, je plaisante. Mais non, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais, Atreus ? Non. Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Très bien. Bon, continuons. Ah. Dis, quand on aura atteint la lumière, comment on la fera rentrer dans le Bifrost, à ton avis ? La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment ? Elle a rien dit. Juste avant d'être on a dit qu'on ne commentait pas Alika. Comment lui peut rater ça ? Quand ça parle. Tu étais plus c'est interdit par maintenant. Sort que par notre objectif. Et... Oh merde ! Silence. C'est cinématique, Alika appuie sur les boutons malgré tout. Hein. Si vous ne l'avez pas entendu. Elle est restée plantée ? J'ai oublié d'enlever une oreille pour t'entendre. J'entendais quelqu'un qui parlait. Il m'a surpris, hein, ce con, quand même. Alors, on va compter les on va compter les insultes d'Alika, ça va être drôle. Alors, on continue. Allez, c'est parti. Alors, donc là, en fait, on commence à entrer dans le, en tout cas, on est dans le cœur de la lumière sur Alfheim, et on va voir ce qu'il se passe derrière. Ça reste toujours aussi beau. Les particules sont impressionnantes. Reste là. Lâche-moi la grappe. Si t'as un QTE, ça te marquera les boutons à appuyer. T'inquiète pas. Si j'ai envie d'appuyer, c'est le bouton à appuyer. Ah, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais on dirait vraiment la lumière des mondes de Ralph. Moi, j'aime bien, c'est qu'on devait faire une entrée discrète. Chut, tais-toi, Atreus, bordel. Nous sommes tout près du but, mais on doit rester prudent. Compris ? Voilà. Compris. La lumière d'Alfheim. La lumière d'Alfheim. Qui font pas hurler, hein, Atreus. Même si t'es enthousiaste, c'est une qualité. Allez, on y va. Détruire la colonie et obtenir la lumière. Ah, oh, mais c'est dégueulasse. On dirait des insectes, j'aime pas. C'est mais il y en a énormément. Oui, oui. Nom de Dieu, pardon. Nom de Zeus. Quand ça tombera, tiens-toi prêt. On devra faire vite. Ça s'annonce qu'on va foutre du monde sur de la ligne droite. Oui. Allez. J'ai pas toute ma vie, c'est quand même dommage. Oui, je sais. Hop, je le gèle d'abord. Et je le détruis ensuite. C'est quand tu veux. Mais je le fais. Alika, le QTE, elle appuie quand il elle veut, y a rien et elle n'appuie pas en voyant le rond. Si, si j'ai appuyé mais pas. J'ai appuyé mais pas. J'ai pas tapoté. Voilà, tu vois, tu n'as pas tapoté. Ils arrivent. Couvre nos arrières. Oui, père. On court ou on se bat? J'ai pas compris. On se bat a priori. Oula. Vas-y, tape tout. N'oublie pas, elle a maintenu. R1 ou R2 pour faire des... J'avais oublié qu'on avait ça. Bah c'est une attaque que tu as mis en place. Allez, allez, faut foncer. Allez, fonce. Oui, attends, une seconde. Une seconde, veux-tu? J'arrive. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'était cool. Je pense que c'est programmé dans le jeu. Allez. Ah bon? Fais que taper. Oui, mais à un moment donné, faut que je me protège aussi, parce que la vie, je la perds.
Allez, on avance. On a pas le temps. C'est LA, maintenu R2. R2. Non, c'est bon. Ah, on se calme. Continue de tirer. Je vais dégager la voie. Je vais dégager la voie, t'inquiète. Allez, décale un, dégage. Non, tu te tais. Ah bah non, là c'est la vitesse. Tu ne peux pas les rater. Atreus, c'est pas le moment d'être perfectionniste. Ah, toi Jean-Mi, tu dois être dégoûté de pas faire ce moment. Non, mais moi je me tape que les trucs pourris. C'est les moments préférés de Jean-Mi. Y'a rien et Alika se tape les trucs comme ça. Attends. Un truc de fou. C'est quand même parfait pour faire ça. Ah ouais, mais tellement en fait. Allez. Allez. Vas-y. Quel bourrin. Allez, on tapote. Hein, voilà, on tapote. On tapote. Voilà. Allez, c'est réglé. Que se passe-t-il? On va détruire leur monde. C'est beau. On a de l'action. La lumière. Waouh. On a tout cassé. Ton fils va se faire écraser là. On a tout cassé. C'est fait. Il a pris un caillou. Tu es blessé. Non, ça va. Waouh, c'est magnifique. C'est pas faux. La lumière, elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Waouh. Écoute, elle chante. J'entends. Je l'entends. Je t'avais dit que c'était elle. Tu crois qu'elle est ici? Oh, ça fait vraiment mal. Comme si maman était en feu. Reste ici. Mais je veux venir. Tu restes ici. Oula. Kratos rentre. Ne l'utilise qu'en dernier recours. Ah d'accord, sans hache. Est-ce que je vais me taper un boss ? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un cadeau. Quand même. Petit trou du cul d'Atreus. Oula. Allez Kratos. Ah, parti. Yeah. Yeah. Beau noir et blanc là. Que se passe-t-il? Ah, c'est beau classe. En noir et blanc. Hein. Papa. Des sous. Eh hey, oh oh, ma thune. Oh. Hey. Et la musique. Tu me devais de l'argent. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. Ah, vas-y. Allez. Ouais, je vois. Attends, j'avance. Je regarde où est-ce que je dois aller. C'est beau, hein, punaise. Je sais pas où est-ce qu'on est, je m'attendais à avis, pas à ça. Ce qu'il dit, le fait il que tu m'aies... Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Oh, mais un morceau du scénario, c'est trop cool. C'est super beau. Je m'attendais pas à ça, franchement. Je pensais faire genre un boss ou un truc comme ça. Je m'attendais pas à ça, super cool. Pour info, je peux pas courir plus vite. Hein. Oui, mais c'est. Je me doute. Je sais rien de lui et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine. Je sais que j'ai raison. Ok. Putain, c'est cool. Je sais pas où est-ce qu'on est, je sais pas ce qu'on fait. Mais... jamais. Il veut rien m'apprendre. Essaye de regarder plutôt droit devant toi. Plutôt que. Je pense qu'il faut aller dans la grotte. Oui, Alika. Oui. Mais c'est juste que quand je me suis retournée, tu m'as dit regarde devant toi. Donc. Il y a plein de poissons morts. C'est super beau. C'est cool. On peut passer par là ? Oui. Je le pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime.
Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. Waouh. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon... Je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là quelque part. C'est pas dans les méandres de notre mémoire ? Je sais pas. Attends. Reviens. Non. Non. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'ai sauvé. T'étais coincé là-dedans. J'ai attendu encore et encore. Mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là. Atreus. Je ne suis parti que quelques... minutes. Non ! T'es parti vraiment ! Très longtemps ! Wow. Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné ! Encore une fois ! Pourquoi tu t'en fiches ? C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Oui. Regarde, on peut sortir grâce à ça. Mais il n'y a pas de lumière pour créer un pont. On est coincé. Et la corde d'arc de la sorcière ne sert à rien. Atreus, ton arc. Tiens-le. Et c'est rechargé du coup. Ok. Vous avez obtenu des flèches lumineuses. Lancez-les sur les cristaux lumineux pour remplir de la lumière d'Alfheim. Yeah. Ok, vous avez donc obtenu... Lancez-les, très bien. Évidemment, c'est pas illimité, hein. Non, mais ça se recharge tout le temps. Lance ta flèche sur la pierre. Ok. Tenez L2 pour viser. Vas-y. Carré pour lancer. Ça a marché. On peut rebrousser chemin maintenant. Viens. C'est bien par là qu'il faut aller du coup. Oui. Recherchons des passages. L'escalier est bloqué. Je sais pas trop si c'est. On a plus le. Bouge ta cam. On a plus le symbole de la sorcière qui nous indique où aller. Non. Rappelle ta hache aussi peut-être. Je l'avais passé à Atreus, hein, je rappelle. Tu as pas regardé en hauteur, Alika. Ah, pardon. Si jamais il y a un petit passage, un truc caché ou quoi, ça serait cool. Non ? Bon, tant pis. Tu vois quelque chose ? Non, moi non. Partons alors. Ok. Dis-moi, ça a poussé la végétation depuis la dernière fois ? Oui, j'ai l'impression que ça a changé, effectivement. Il doit y avoir plusieurs ponts à réactiver, on va aller voir ça. Il y en a plein, puisqu'il y en avait un déjà sur le passage de base. Qu'est-ce que tu fais, Atreus ? Allons-y. Tu peux courir, oui. Je suis un peu perdu. Alors, ah bah, hey, c'est toi qui joues, hein. Oui, mais bon. Là-bas, il y a une pierre bleue. Ok, est-ce que je peux l'atteindre d'ici? Et à mon avis, il faut aller sur le pont et la viser, là-bas, de là-bas. Allez, de là-bas? Oui, vas-y, okay. À mon avis, on peut la choper de là-bas, je pense. Ça marche. Non? Faisons ça, bah je vais essayer. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Ok. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on recherche les cristaux. Ah, il y en a un là-bas. Regarde. Donc, tu vois, on va faire la même technique. D'accord, c'est bon, je l'ai vu. C'est parti. Allez, on galope. Tagada. Voilà. Elle est là. Voilà, regarde, ça c'est le pont. Ah non, d'accord, ok. Bon, bah, faut le détruire ça alors. Là. Voilà. Bah, il faut descendre. Je peux descendre comme ça? Non. Alors. Bah cherche, allez, go Alika. Fais le tour. Attends, je regarde, non, je peux pas tirer non, de là. Fais le tour. Il y a un truc qui brille là, c'est chelou. Je peux pas tirer là-dessus, non. Ok, je vais faire le tour, très bien. On est parti. Alors, par où on est monté, je me souviens. Ah oui, mais si, on a tout cassé. On est tombé. On a tout cassé. On essaie d'aller par là, voir si on n'a pas un passage. Non. Ah ah.
Alors, okay. Où est-ce que ça peut être le passage? Attends, il y a un cristaux. J'en ai vu un là, mais ça nous arrange pas. C'est trop loin, c'est trop loin. De toute façon, c'est trop loin. Atreus, tu voudrais pas nous aider par hasard? Reste L2 appuyé pour voir. Non, c'est que la lancée de hache. Bon, essaye d'aller de l'autre côté, par là. Vas-y, voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah, là, non. Rond. Sur les bords, non. Non. Oh, sommes-nous coincés. Bon, y a un truc avec le pont, alors. Hein. Oui, je pense. Pourquoi on aurait ouvert si on peut rien faire? Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, forcément. Ah, j'ai une idée. Oui. Voilà. Va dessus. Continue tout droit. Regarde en bas. Regarde en bas. Voilà. Ah, punaise. C'était tout bête, hein, c'était magnifique. Mais si on regarde pas Salica. Dans la direction... Non, mais si on dirait... Ah, ça va. Si on regarde pas dans la direction du truc, il y va pas. Aussi. Tu sais, les frustrations des heures où on peut tourner 10 minutes en rond et pas trouver un truc qui est tout bête. Bah, on vient de le faire. C'est beau. Ah, tiens. Là, il y en a... Ah, vas-y. Ah, rond. Rond. Alika. Quoi, rond? Reviens. Regarde un peu. Ah. Voilà. Ah, okay. À mon avis, tu peux le planter là. C'est fait pour. Yes. Effectivement. Indeed. Qu'est-ce qu'il fait, Rick? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ok. Ah, essaye de faire l'autre, peut-être, aussi, là-bas. Yes. Parfait. Très bien. Aide 2. Est-ce que d'ici, on peut en viser d'autres? Non, là, tu peux remonter. Ah! On aurait pu en clipper un ici. Ah, non! Il fallait. Regarde si tu peux pas le démonter, oui. L'autre, en allant dessus. Oui. Excusez-nous, on a changé d'avis, en fait. On a changé d'avis, on va y aller. Ouais, tu peux, c'est beau. Parce qu'il y a un méga coffre, et ça, ça vaut de l'or. Jean-Mi, il était dégoûté. Fait, oh, ah non, il y a un coffre, on rate, non. Ah non, un coffre. Déjà qu'on en a raté un au début du niveau qui était super simple, à mon avis. Il faut que je roule. Oh. Mais j'ai plus de... Ah si, c'est ça, recharge vite. Ça recharge automatique. Alors, comment on y va? Alors. Comment on y va? Ok, c'est bon. Yay. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Yeah. Qu'est-ce que ça va être? Une pomme. Une pomme. Des sous. Ah non. Objet rare enchantement. Réduit de 12% les dégâts infligés par les attaques des elfes noirs. Effet cumulable jusqu'à 36%. Merci. Je peux fermer. C'est-à-dire qu'on en a déjà eu un l'autre fois, il me semble. Donc du coup, on va pouvoir les cumuler, ceux-là. Ouais, je pense. Alors, est-ce qu'on a autre chose par là? Non. Bon, bah, tu peux enlever le caillou et le remettre à l'autre endroit. Yes. Je peux sauter comme un bourrin ou pas? Oui. Cours un peu! Voilà! Allez, viens là. Sinon, on en a pour 2 heures. Hop, hop, hop. Je ne peux pas sprinter quand je porte quelque chose, par contre. Hop! Allez, vas-y, dis-lui un petit coup de flèche. Allez, Atreus. Hop! S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? T'as fait carré? Mais oui. Ah. Allez. Tu peux faire demi-tour. On remonte. Mais oui, c'est par là, tout droit. Non, non, non. Ah oui, tu peux aussi, oui. Je crois que la marche était un peu haute pour... Oui, un peu handicapé. Vu qu'avant, on montait avec notre fils, maintenant, on laisse se débrouiller à l'arrière. Hein. Débrouille-toi. Oui. Bon, ça va, c'était un petit fossé, là. Ah, essaye de sauter là, tombe là. On peut pas? Nine. Très bien. Ah mais oui, mais si on peut pas, du coup c'est chiant. Mais si on doit pouvoir, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais... Ah bah oui. Est-ce que... Essaye de faire un truc. Tu vois la pierre qui est là, à droite? Oui. Alika, merci, là où il y a ton fils. Essaye de tirer dedans à nouveau avec ta hache pour voir si ça peut pas la couper. Celle-là? Oui. Attends, la hache... Non, bon. Non. Comment on descend? Attends. Le passage. Ah bah si, c'était ça. Oui. C'était ça. Je t'écoute, Jean-Mi. Je suis tout oui. Je réfléchis. En fait, il faut marcher sur le pont pour aller à l'autre bord, là. Oui. Donc, redescends. Du coup, j'aurais pu monter par là. Ah oui, mais je vois où est-ce qu'on peut monter, pardon. Pardon, pardon. Je n'avais point vu. Il y a un truc pour monter là-bas. On n'a pas réfléchi du tout. Non, bien joué. On n'avait pas vu, ça arrive. On connaît pas le jeu par cœur. Bah non.
C'est un let's play découverte. C'est une découverte, donc toute découverte implique également de se paumer comme des grosses merdes. Ça... Voilà, ça arrive. Oh, vas-y. Ah, un trou du cul. Bien joué, en plein dans l'œil. Bob Razowski. En plein dans l'œil, Bob Razowski. Dans ta à face, mon avis, il va falloir en tuer plusieurs d'un coup. Ah, il y en a derrière. Hein. Sinon, Alika, à droite. Quoi? Ah merde. Dégage. Ah oui, je me disais, c'est marrant, il y a des trucs rouges qui me... D'accord. Ah bah tiens. Parfait. Okay. Ça, on peut y remonter. Maintenant, on peut remonter. Essaye de faire le tour pour voir s'il n'y a pas autre chose qui est caché. Ouais, alors suis le tour, fils. Je t'avoue. Suis ton fils. Je t'avoue que le tour est un peu vite fait. Attends. Okay. Rappelons la hache. Là, il y a un pont. Blanc. Ah oui, donc là, d'accord, il est fermé, le pont, notre pour l'instant. Le pont est cassé, donc... Va à droite. Attends, je peux essayer de casser ça. Non, non, non. Ah oui, vas-y, essaye. Mais il faudrait que je puisse les viser, tu sais, il y en a deux. Ouais. Et du coup, il faut que je trouve l'angle pour me permettre de les viser. C'est pour ça qu'Atreus se plante. C'est pour ça qu'il te dit pour mettre le... Ouais, pour mettre un pont. Vas-y. Ah oui, exact. Exact. Très bien. Parfait. Allez. Ça. Allez, tue-le. Aïe, elle a un pour le contre. Oui, oui, je sais, j'ai oublié. Pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et tu peux le loquer en cliquant sur R3. Hein. Là c'est pour buter mais il est resté planté au mur. Vas-y. Salut. Allez, lock-le. Voilà. Attention. Allez, fonce. Une autre technique aussi. Le lancer de hache. Technique canadienne. Voilà. Voilà, il y en avait un autre. Non. Voilà, donc là on est sur le truc, tiens. Je peux monter sur le pont pour débloquer. Oui. Alors, c'est quel bon. Est l'angle? Parfait. Celui-là, ce sera très bien. Allons-y. Ah, enfin, je peux activer le cristal si tu me trouves un angle de tir. Kenny vient de nous parler, magnifique. Remontons à la surface. Oh là là, ça c'est vraiment un gros défaut du jeu. On entend quand même. Non, non, moi j'entends... Remontons à la surface. Ah bon? Oui. Après, t'es arrivé jusque-là? Sérieusement? Après, être descendu jusque-là? Ah non. Ah non, on n'a pas que ça à faire, monsieur. Qu'est-ce que tu fais, Atreus? T'as vu les étoiles? Tu vois, tu montes sur... Il continue à te coller à toi. C'est la sangsue, Atreus. Voilà. Ok, remontons à la surface. Allez, lock-le, tout de suite, lock-le. Et tu prépares au bouclier. Perdu. I tried. Allez, tape-le! T'as fait un contre! Attends, je me suis un peu fourvoyé. Tout va bien. Alors, le lock. Alika, c'est le jeu de baston! Le lock, c'est de la merde! Non! Allez, tape! Arrête les contres et tape un peu là! Ils sont trois! Oui, et je me fais défoncer, alors tes conseils. Hein? Ah là 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 là, si tu... elle va mourir oui, sur un truc. Oui, parce que tu me laisses pas jouer comme longtemps avec tes idées de. Ah, arrête de me donner des conseils qui servent à rien. Je vais mourir, punaise. Oh là là, ça sert à rien parce qu'on peut pas se protéger, tu vois. Et si je meurs, c'est pas grave, je recommencerai. Et d'ailleurs, il me donne pas de la vie, hein, je pue du cul, c'est ça. Ouais, c'est... Pas de soucis, pas de soucis. La mauvaise joueuse, mais d'entrée de jeu. Tout va bien. C'est un super jeu. Je lui ai donné ma technique de bûcheron. Ah, de la vie. Voilà, tout va bien. J'ai quasiment plus de vie, mais... Punaise, ils sont radins en vie maintenant, hein. Ça se voit qu'on avance. Atreus, t'es où? Il est où, ce con? S'en fiche d'Atreus, il nous suit. Il est où, ce con? Il est derrière. Mais on va par où, du coup, pour remonter Bah, celui-là. Ok, d'accord. Il lui fallu que je tape un petit peu à la main pour remonter ma rage spartiate, parce que là, quand même, côté vie, je suis pas au top. Ça va aller, il va y en avoir. Faut que tu casses des pots dès que t'en vois ou quoi, ça traîne dedans. Ah, mais il y aura pas de la vie là. Ah non! Non! Dégagez! Putain, mais c'est. Même quand. C'est des bombes qui explosent par terre! Donc tu peux pas.
Et n'oublie pas qu'il y a les L1, R1 et L1, R2 pour faire les AOE et les contrées. Allez. Lock-le. J'essaie. Bien joué, contre. Ah là, oui. En fait, je fais ça nickel. Pour remonter de la rage partielle un petit peu. Je tape à la main pour... Parce que si jamais j'ai Parfait. Plus de vie, au moins je vais pouvoir... Allez, va prendre le coffre. Ça. Et je crois qu'il y a un elfe qui est tombé avec du butin pour moi, je suis dégoûtée. Non, non. Mais non. Si, j'ai vu une bourse tomber. Yeah. Alors, attaque runique rapide. Attaque décrivant un large cercle et infligeant des dégâts de givre modéré. Très Mais bien. Non. On regardera ça, on regardera ça tout à l'heure pour équiper peut-être des choses. Là, on va avancer. Regarde au-dessus de toi en haut. Ah oui, attends, je récupère dans mes sous. Ah, un petit caillou. Un peu. Oui, garde-toi. Merci Atreus. Ah bah non, ça ne servait à rien, très bien. On peut passer ? Il y a de la vie derrière, j'ai essayé de tirer dedans ? Oui, je viens de le faire. Dans la pierre en haut, là au-dessus de toi. Avec Avec Atreus, oui. Je viens de Et avec toi ? Non, au-dessus. Regarde là où il y a le pilier, ouais. Tu vois, regarde. Ah, ok. Là, tu veux dire. Ouais. Non, ça, je ne l'ai pas fait. Merci, très bonne idée. Attends, je vais chercher ma vie d'abord. Nickel. Bon, vu comment t'as remonté la vie. Allez. Et en plus, j'ai bientôt ma rage, donc tout va bien. Eh ben, écoute, j'aurais bien une réponse, Atreus, mais voilà, ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire, et tu vas le sentir passer. Ah, tu peux... Va voir la porte, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces portes, là? C'est Non, c'est pas les trucs avec la pierre pour téléporter. Non, mais du coup, attends, on va taper, on va faire ça. On va voir. Appelle Gertrude. Bon, ça fait rien de spécial. Bah regarde, tourne-toi. Ah si. Voilà. Viens voir ici. Hein. Atreus. Et donc, ok, ce sont des choses à lire de notre côté pour un petit peu de lore, je suppose. Non, d'XP. D'XP, d'histoire. Donc. Voilà, ça nous suit. Très bien. Ah. Tiens, j'en ai un truc qui gargouille. La porte bleue qui n'est pas une porte. Arrête. Et une vasque de sable. Et comment je suis censée l'atteindre ? Une vasque de sable. Je vais t'y lancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Graine. Mémorise la forme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Alika qui part sur le mur, on s'en mais fout. Mais j'ai rien fait, il a avancé tout seul, je te promets. Ah d'accord. Bon. Je me suis Tiens, là, il y a un truc à couper, à mon avis. Un truc à couper. Deux. Regarde. Ah yes. Attends, on va trouver l'angle. Bon, on a compris. Hein, il est de l'autre côté, l'angle. Ouais. Voilà, ça va être tendu. Je peux monter par là, je vais aller explorer par là. Vas-y, vas-y. Hop. De toute façon, on a compris que ce truc d'éclater, trois trucs à la suite, c'est toute la mécanique de cet endroit. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la forme de tout à l'heure, pas du tout. Pourquoi me fait-on venir depuis ici ? Est-ce que j'ai un angle pour éclater quelque chose ? Alors regarde dans le trou là. Dans le trou. À gauche. Qu'est-ce qu'il dit ? À gauche. Ça c'était une droite. C'est pas grave. Pardon. Là, il y a un truc là. Ah, je suis tombée. C'était quoi ? Lève là. Là, regarde. Tu vois, il y a un truc qui brille là. Yes. Caché derrière. Mais... Essaye de balancer. Ah non. C'est bloqué encore. Il y a les tentacules. Ouais, et je peux pas les détruire comme ça. Il faut vraiment. Bon, bah fais le tour. Mais. Punaise. Attends. Est-ce que. De quel angle je pourrais atteindre ça ? De là, normalement. Non ? Est-ce que tu peux regarder ? Regarde, tu vas reprendre la pierre où elle était. Attends, et tu vois que tu peux la clipper là, maintenant. Ah, très juste. Il y a un coffre. Où ça ? Il y a des cloches. En haut. Des cloches. Où est le coffre, du coup ? Il y a une cloche là. Effectivement, il doit y avoir... Je pense que quand on va enlever les tentacules, on va aller voir... Je vais reprendre, effectivement, très bonne idée, ça. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pour ça que ça nous servait à rien du tout ici, en fait. Alors. Bah si, avancer dans l'histoire. Tac, tac, tac. Allez, Kratos, un petit effort. Tu comptes emporter ça partout ? Pourquoi pas ? J'en pose des questions. Et l'emplacement était... ici. Ouais. Je vous ai dit que j'étais très mauvaise en orientation ou pas ? Non ? Bah voilà. Alors, allez, Atreus, comment t'entends-t-il ? Ah, et ben voilà. Tout s'illumine. C'est merveilleux. Hop. Allez, Kratos. Ah, il y a un et coffre de là. Voilà.
Attends, putain. Jean-Mi, le repérage des coffres. Où ça? Ah oui, d'accord, mais elle est là, notre fameux... Là, il y a une pierre à casser, là. Là, c'est notre fameux coffre. Donc, t'as le R qui est là, le C qui était là-bas. Non, avance. Avance. Avance, allez. Regarde à gauche, tu peux la choper. Un là, il faut trouver la troisième où elle est. Elle est où, la deuxième tu... C'est stressant, parce que Alika, voilà, elle a pas là. La... Une là, ouais. Avance. Derrière le rocher par la fenêtre, en fait, regarde. Tac, okay, deuxième. Okay. Et... Ah. Et la troisième, attends. Ça doit être ça qui brille. Attends, déjà je vais essayer de. Je vais casser ça d'ici déjà pour commencer. Gertrude, merci. Parfait. Voilà. Et va donc... voir si elle est pas dedans par hasard. Notre troisième cloche. Raté. De quoi? Bah t'es tombé? Non, c'était fait exprès. Ah bon? Tu m'as dit va voir. Non, j'ai... je t'ai dit regardez dans le trou. Autant pour moi. Hop, hop. Alors à la suite du déblocage du coffre, Alika, par contre, nous devrons faire la pause. Jean-Mi, est-ce que tu veux débloquer le coffre? Pourquoi c'est à moi de le faire? Parce que c'est ta spécialité. Et on arrêtera ensuite le... grattage, ok. Allez. Je reprends la manette vite fait, on je y va. Je te laisse, tu es le spécialiste des cloches. Jean-Mi, alors, il n'y a rien là-dedans, déjà. Je ne pense pas qu'on puisse l'atteindre. Ici, donc, elle n'est pas là. Donc, il y en a une là. Yes. Une ici. Une dans la fenêtre. Et la dernière, elle n'est pas en hauteur. Où est-elle? Rapidement. Alors. Ah, si la VOD dépassait 30 minutes, Jean-Mi, ça va être ta faute. Hein. Elle est déjà dépassée. Hein. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ah, le R est là. RC. Ah non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. RC, très bien. Et voilà. Et voilà. Allez, sonne les cloches. Tu sais que moi j'aime pas les trucs timés. J'ai horreur de ça. Ah bah écoute. Ça va être relou. Elle va durer longtemps cette VOD. Oui, elle va durer longtemps, je sens. Alors. Ah, je l'ai rappelé trop tôt. Allez. C'est bon? Non. Non, punaise! C'est chaud. Ah, j'aurais détesté le faire. J'ai bien fait de passer la manette. Ah, ça sert à ça de jouer à deux aussi. Hein. Ça permet de passer les moments relous à l'autre qui s'en... qui trouve ça relou aussi, mais qui le fait quand même. Et ça, c'est parfait. Non, mais t'es sérieux? Il y a un ordre, non? Je pense pas. CRN. Je pense pas que c'est un ordre, c'est une histoire de timing, normalement. Donc t'es censé finir par ça, là, mais c'est ce que t'as fait. On va essayer de gagner. Je pense que c'est vraiment une histoire de timing. C'est super chiant. J'ai pas vu combien de temps ça durait. Ah, tu peux toutes les atteindre de là, normalement. T'as vu une ouverture dans la fenêtre, Jean-Mi. Ah bon? Ouais. Regarde, retourne là où ah, tu okay. étais, dans l'autre... Regarde dans le trou à gauche, là. Tu vois l'autre là-bas, tu vois? Est-ce que tu peux pas l'atteindre d'ici? On va faire un essai, tiens. Essayons, essayons. Ça paraît loin, mais... Et non, non. C'est dommage, le jeu aurait pu être bien. On peut, on peut. Ah, bingo. Donc c'était bien ça qu'il fallait faire. Non? Il faut être encore plus rapide que ça? C'est casse-pied. Ouais, c'est casse-pied. On va se le refaire tranquille. Allez, Jean-Mi. Raté. Il a tout cogné sur la cloche. Ah, trop tard. Là, t'as mis. Non, ce que je comprends pas, c'est que non, il y a flèche du bas et la flèche du bas, elle a pas marché là. Pour ah, faire le demi-tour hyper rapide. C'était peut-être que t'étais en train de rappeler ta hache en même temps, du coup. Ouais, c'est cela, oui. Allô? Merci. Allez. Ah,
Raté, magnifique. Ah, c'est exigeant, hein, côté timing. Mais on sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, bon sang. Perdu. Quel bordel. Trop court. Eh bah. Trop gourmand. Yes. Ah bon, on cherche à aller vite. Hein. Là, c'est bon. C'est impossible, là, j'y étais. Ouais, j'avoue. Là, c'était un petit peu... C'est trop chaud. J'espère qu'il est bien ce coffre, hein. Parce que franchement... Il y a un problème parce que là, j'ai tapé les trois. Ouais, mais on dirait que le C, il se recharge avant que tu... C'est environ 10 secondes, c'est ça? 7 à 10 secondes? Je sais pas. Alors, on va essayer de le refaire une dernière fois bien comme il faut. Je crois que t'as 10 secondes pour le faire. C'est bon. Oh allez. Oui. Enfin. Ouh. Ouais, c'est ça, c'était bien. Hop là. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Oh, en plus, c'était une corne. Légendaire, vous avez collecté 2 des 3 cornes d'hydromel sanglante. J'ai pas fini de lire. Ça permet d'augmenter la merci, rage. Jean-Mi. Il y voilà. Plus vite que moi, c'est pour ça. Ah là là. Allez, hop. Tu sais quoi? Mes pauses. Oui, m'épose. Je m'épose. Hop. Je nous remets en plein écran. Et du coup, c'est sur cette belle note de cloche. C'est que... 3 notes de musique bien relou. Hein, trois petites merci. Notes de cloche qu'on va se laisser là pour cette VOD. De toute façon, on arrive très vite parce que nous, on va continuer. Ah oui, on... Et de toute façon, vous nous voyez voilà, à la prochaine ça vidéo. Ça arrive assez régulièrement de toute façon. Donc, à très vite. Merci d'avoir suivi ça. Et nous, et on bien, continue merci à vous. Parce que le jeu est super intéressant. Et moi, j'aime bien l'histoire. Oui. C'est super cool, franchement. Oui, je, t'avais oui, regardé, oui. Je t'avais regardé jouer au... aux autres God of War, et celui-là, j'ai l'impression qu'il a une histoire... Non, il a quelque chose de travaillé, les énigmes sont bien amenées, tout l'autre, oui. C'était du bourrin, et puis c'est, voilà, on sentait même pour l'époque, bon, c'était cool, mais c'était très directif. Là, il y a l'effet open world, de toute façon, enfin, on va dire open world, oui, open world, voilà, open world, mais très directif pour l'histoire principale, mais on peut très vite partir dans la secondaire. D'ailleurs, j'aimerais à la suite qu'on finisse Alfheim d'aller fouiller un petit peu autour du lac. Il y a des choses qui devraient nous intéresser qu'on n'a pas fait la dernière c'est possible, fois. C'est possible, ou alors on fera ça en off, on verra. Voilà. En tout cas, on vous laisse là. Très bonne après-midi ou soirée. À très très vite. Et à très vite. Bye bye. Tchou.